pas grand chose, hein. C'est désert qui dit. De l'astic. Si je l'ai. C'est gros. C'est froid. Tu l'as vu? Joli. Alors, pourtant il y a rien. Chercher, ils vont être isolés comme ça. Hein. Ouais. Putain. Viens chez moi avec le leur. Il est beau. Hein. De l'astic vu qu'on m'a piqué. Ouais, juste sur le bord. Pas mal, hein? Pas mal celui-là, hein? Un joli bar 52 pour de l'astic. Avec les vacances et tout, je peux dire que je suis pas en confiance. Hein. Avec les vacances et tout, je peux dire que je suis pas en confiance. Hein. Parce que j'ai rien touché. Ça fait au moins un mois que j'ai pas pêché un bar, moi. Si. Hein? Si. Toi aussi? C'est un char, ça, petit lieu, tu vois, je t'ai dit. Ouais. Là, les cartouches, hein. Tu t'es dit, je suis fou ou quoi? Non, je sais que c'est du poisson, mais bon. Ça prend tout, ce leurre. Yes! Il est beau celui-là. Hein. De là, il stick encore. En gamin, juste regarde-le celui-là. Il n'est pas beau celui-là. Putain, mais toi, t'es vraiment une salope. Hein. Je savais, faut arrêter de descendre, c'est nul. T'as vu? Je suis direct remonté pour bien. Il est où de là, il stick là? Attends, on va faire photo. La bête. Non, il est beau. Enfin, c'est 60. Hein. Ouais, hein. Eh, mais là, le cours qui me met, ce fumier. Bien joué là-dessus. C'est quoi ça? De live stick encore. Ah ouais. De live stick bien fat. 4,5 pouces en 7 grammes. T'as combien de mètres là? 3-4 mètres. Pas énorme. Voilà. Vas-y, vas-y, c'est bon. Un bon 59 cm encore. Dans 3 mètres d'eau à gratter le fond.
joue Alex. Yes. C'est joli hein. Il est beau hein. Garde-le le tien. Non non, par la gueule. C'est plus grand que le tien, vilain. Joli pire. Oh. C'est juste que tu rentrais pas dedans en fait. Hein? Tu rentrais pas dedans. Ouais. Tu pêchais trop à l'extérieur. C'est de la stick. C'est ennemi. Joli la tige, voilà. Là on est là. Dans les veines de courant. Un beau petit bar. Faites le sol, hein. Allez hop, un petit bar qu'on remet à l'eau. Tac. Pédale. Donc voilà, fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on sera bien amusés. Dans la première partie, donc c'était un coup du soir après le travail. Et dans la deuxième partie, c'était un coup du matin, donc le samedi matin de bonne heure. Donc pour le vendredi soir, Alex aura fait 7 barres. Moi, rien du tout. Pour Alex, 7 barres, donc tous maillés, le plus gros 59 cm. Moi, juste un tout petit lieu. Pourtant, pêchait même l'heure, même animation quasiment, même diamètre de fil, même plombage, même tête plombée, vraiment tout pareil. Et moi, que dalle. Donc, c'est comme ça, ça remet les idées en place, ça fait réfléchir. En tout cas, lui aura fait une super pêche, j'étais très content, j'étais content pour lui. Donc voilà, et puis dans la deuxième partie, bah, c'était un coup du matin, donc avec un bon coefficient, 89. Donc du coup on a dû se rabattre sur la côte sauvage, sur une partie abritée de notre côte. Et là on fera 9 barres au total, le plus gros 51 cm. Donc ce qui est plutôt correct. Donc on aura tout pris dans les patates en fait le long de la côte, dans tout ce qui faisait accélération de courant, zone de courant. Donc vraiment des pêches de bordure. Et ils étaient calés dedans, donc dans les patates, vraiment à gratter. Donc toujours avec le fameux dolastic, donc comme vous avez pu voir on a pêché Kassa,
de la stick fat en 4,5 pouces, le coloris TW139. Donc vraiment un bon coloris, un excellent leurre. Il m'a fait prendre du poisson toute la saison. Donc une tête plombée que j'aime bien associer, donc c'est la tête plombée de Koi, léger 36. Donc là c'était en 7 grammes. Donc ouais, un très très bon leurre. Ça prend, franchement ça prend du poisson. Il a des arômes. Ça sent à moitié la crevette ou je ne sais quoi. Le calamar ou le poisson quoi. Et il fait vraiment vraiment la différence. Donc sinon en ce moment donc moins de pêche, donc ce qui veut dire moins de vidéos. Il y a beaucoup de vent, les conditions sont pourries en ce moment, de la pluie, du vent à 80, 50, c'est n'importe quoi, tout le temps du vent, la mer est déchaînée, donc pas possible de sortir. Même en eau douce, si je veux m'y rabattre, beaucoup de vent, en kayak les dérives vont hyper vite. C'est chiant quoi, c'est compliqué à pêcher. Donc moins de vidéos, j'espère que le temps va se calmer. On verra bien si on peut sortir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, à commenter. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis ben, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao, ciao, bye bye.